Tellure de Tristan Murail a toujours été, depuis sa création, une œuvre éminemment polémique et dans un large spectre, si j'ose dire, qui va depuis l'admiration la plus inconditionnelle jusqu'à la haine la plus féroce. Très intéressant, un souvenir de cette émission de France Musique qui diffuse Tellure une semaine après sa création en récital à Paris en 1977. Récital enregistré par cette même Radio France. Or donc Raphaël Andia, un récital en deux parties, la première traîtreusement consacrée aux compositeurs contemporains. Je dis traîtreusement car, sans la deuxième partie consacrée aux musiciens baroques sur guitare d'époque, je sais une bonne partie du public qui aurait fui l'audition de ces pages modernes d'où se dégageait un mortel ennui. Il est encore prouvé que la guitare exige des compositeurs, quels qu'ils soient, une complicité avec l'instrument, sous peine d'écrire une musique où la guitare semble absente, tant elle semble peu concernée. On voit que Tellure a le don de ne laisser personne indifférent. Certains compositeurs des années 1970, comme Tristan Murail, s'inscrivaient dans la mouvance dite spectrale. Ce qui est remarquable, c'est qu'il est décidé d'y inclure la guitare, l'instrument le plus éloigné de cette sensibilité, par sa tradition, et aussi supposé inapproprié pour suivre les grands mouvements de masse sonore nécessaires habituellement au travail sur le spectre. C'est ce qui avait fait dire à Tristan Murail. Je le cite, « Tellure est plutôt un défi dans mon œuvre. La nature de la guitare est tellement opposée au type de musique que j'écris. J'utilise habituellement des évolutions de masse de son, des superpositions complexes. Avec la guitare, on n'a pas de masse, ni non plus le soutien du son. » Par ailleurs, les guitaristes ont beaucoup fantasmé sur les gestes nouveaux, comme les rasgados et autres, qui sont nécessaires pour jouer Tellure, et qui ont frappé les esprits. Je voudrais ici dissiper ces clichés. Ces techniques diverses ne sont que la partie visible du travail de Tristan Murail. La véritable difficulté, qui doit mobiliser toute l'attention de l'interprète, et qui fait la valeur fondamentale de Tellure, et d'un tout autre ordre. Je veux parler de l'architecture, une architecture spectrale. Oui, Tellure utilise beaucoup de ses styles techniques, naturels, propres à la guitare, mais toujours intégrés dans une forme très précise et déterminée. Et surtout continue, c'est-à-dire lisse. Le mot-clé qui détermine beaucoup de ces gestes nouveaux. Ce concept s'applique à plusieurs paramètres de la musique, principalement ces paramètres sont indépendants et suivent leur propre évolution au cours de la pièce en passant par des maximums et des minimums. L'œuvre peut alors se représenter, bien que très schématiquement, par une sorte de zigzag ou de sinusoïde qui passe par des maximums de son et des maximums de bruit A, B, C, D, E, F, G, comme cela est montré dans ce graphisme de la main même de Tristan Murail. Le travail du guitariste sera de respecter avant tout cette forme lisse, donc de soigner les transitions entre les modes de jeu qui doivent être imperceptibles. On pourra ainsi qualifier cette musique de musique non événementielle. Par exemple, j'ai représenté la variation d'entropie au cours de Tellure d'une façon approchée pour permettre de visualiser la forme de la pièce. Ainsi, prenons le paramètre
du timbre. Il passe par des maximums de son pur et des maximums de bruit pur. Par exemple, au point B, le rasgueado en spirale, ordinaire des flamenquistes, évolue peu à peu en son pur sur aigu, des ongles sur les cordes. La dilatation et la contraction du temps est un autre paramètre qui doit être maîtrisé. Intuitivement, il est de forme logarithmique. Au point F, il y a un processus continu qui structure les événements. Ce sont ici les petites notes jouées entre les notes principales qui déterminent les échelles de temps. Différents éléments d'écriture peuvent évoluer en même temps, en toute indépendance, car chacun suit sa propre évolution. Ainsi, au point C, il y a concurrence de trois paramètres. Premièrement, il y a dilatation de l'espace temporel de la couche de son grave, en même temps que, deuxièmement, une densification progressive des intervalles entre les notes. Mais troisièmement, en même temps apparaît une deuxième couche de son qui passe d'harmoniques très élevées, donc avec un maximum de bruit, à des notes progressivement plus claires. La transition vers le point C, déjà vu précédemment, se fait également par trois paramètres qui évoluent indépendamment. Premièrement, raréfaction du bruit. Deuxièmement, l'apparition d'harmoniques d'un son sourd mais constant, représentant les battements du cœur, qui évolue par une dilatation du temps. Troisièmement et simultanément, au contraire, contraction du temps pour les sons suraigus. Un autre exemple non événementiel typique que je voudrais signaler ici, c'est l'imitation du fameux glissando infini, une nouveauté électroacoustique de ces années-là. Thank you.
Ainsi, dans ce passage de Tédure, les accords descendent, mais la note aiguë monte en même temps. Avant de se lancer à déchiffrer Tellure, acquérir une maîtrise totale des modes de jeu. Tous doigtés d'ailleurs dans la partition par Tristan Murail lui-même. Et être capable d'assurer la transition lisse pour passer des uns aux autres. Un dernier conseil. D'habitude, devant le public, il arrive qu'on se prenne au jeu et emporté par l'énergie considérable que l'on doit déployer pour jouer Tellure, nous prolongeons excessivement les diverses séquences, ayant oublié les indications de durée figurant sur la partition. Or, ces durées ont été calculées par Tristan Murail, je dirais au millimètre. Elles sont le fruit des théories de la perception musicale, et il est fondamental de les respecter pour l'efficacité de jouer Tellure. Les divers modes de jeu et les diverses techniques sont illustrées dans la séquence suivante. Elle est extraite d'une conférence audiovisuelle sur mon livre « Liberté et déterminisme » publié chez l'Harmattan en 2015. Thank you.
Thank you.